De la presse. Le Front populaire contre la révision constitutionnelle. Est heureux aujourd'hui parce que pour le Front populaire, c'est un grand jour. Un grand jour de lancement de la campagne de sensibilisation. Campagne de sensibilisation sur trois thèmes importants. Premier thème, la sensibilisation contre la révision constitutionnelle. Deuxième thème, le Front populaire avec ses leaders et le peuple congolais. Nous allons sensibiliser contre la loi électorale. Troisième thème, nous allons sensibiliser, c'est-à-dire nous, le Front populaire, avec les autres forces aussi de l'opposition et le peuple congolais, nous allons sensibiliser contre les glissements. Mesdames et messieurs de la presse, pourquoi nous parlons glissement? Vous êtes au courant que le gouvernement que nous appelons le gouvernement d'absence de cohésion nationale, ce gouvernement a adopté les glissements, c'est-à-dire la loi électorale qu'on vient d'envoyer au Parlement. Cette loi qui va nous amener à l'identification. Et tant qu'il n'y a pas d'identification, il n'y a pas d'élection. Si nous appelons glissement, c'est-à-dire nous allons dépasser 2016. Voilà pourquoi nous sommes en train de mener cette campagne contre cette loi. Bientôt, il va y avoir des élections du gouverneur à l'Équateur. On va faire avec quelle loi? Il y a eu des élections à Befale. Ils ont fait avec quelle loi? Nous, aujourd'hui, nous allons dire au peuple congolais que pour nous, on ne touche même pas d'un iota.
La loi électorale reste telle qu'elle est. On ne change jamais les règles du jeu au cours des matchs. Il y a eu 2011, on est allé aux élections. Maintenant là, bientôt il va y avoir des élections de 2016. Pourquoi aujourd'hui on va changer les règles du jeu? Voilà le glissement. Où il va y avoir l'identification, on va nous dire que non, c'est parce qu'on n'a pas terminé avec l'identification qu'il n'y a pas élection. Et on va traverser 2016. Nous allons aujourd'hui, le Front populaire, avec ces leaders que vous voyez ici, nous allons commencer à sensibiliser avec vous et le peuple congolais. La presse va nous accompagner. C'est comme ça que nous avons dit aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que nous allons lancer la campagne de sensibilisation. Le matin, nous étions avec nos députés. Nous allons continuer chez les leaders politiques, partout, la sensibilisation. Dans les marchés, partout, on va sensibiliser le peuple pour que nous puissions réaliser comme il faut l'article 64. Et comme nous sommes une opposition responsable, le Front populaire, pour que les gens ne puissent pas avoir peur de notre sensibilisation, nous avons commencé par adresser la lettre, parce que nous sommes une opposition responsable, une correspondance que vous voyez au vice-premier ministre de l'Intérieur. Nous lui avons adressé la correspondance. Et nous allons photocopier, on va vous donner ça. Nous avons adressé cette correspondance au vice-premier ministre de l'Intérieur, la sécurité, pour lui informer que nous, en tant que formation politique, en tant que regroupement politique responsable, nous avons levé l'option de sensibiliser la population contre la loi électorale. Et c'est de notre droit. Il ne faut pas qu'il y ait révision de la loi électorale. C'est ça le combat du Front populaire. Pour que ça ne puisse pas nous amener au glissement, nous avons écrit au vice-premier ministre. Et pour que le gouverneur de la ville ne dise pas aussi que lui, il n'a pas été informé, nous avons écrit aussi au gouverneur de la ville. Pour dire que nous commençons aujourd'hui, nous lançons notre campagne, et même les documents qu'on va mettre à votre disposition, ils sont au courant que nous devons aujourd'hui commencer notre campagne de sensibilisation. Alors, vous allez vivre peut-être ce que vous n'avez pas encore vécu au Front populaire. Il va y avoir au moins 4 orateurs. Les messages que nous allons vous donner, ce message sera lu en français, le message sera lu en lingala, en swahili, chiluba, pour que on ne puisse pas dire non au Front populaire, c'est une affaire de français, de lingala. Tout le monde et les leaders qui sont là vont tour à tour vous lire les textes, et c'est à ce moment-là que nous allons commencer à vous distribuer ces textes-là. Je pense que c'est ça au moins l'explication. Je ne sais pas si le collègue Oscar peut me compléter un peu. Voilà l'essence de la journée d'aujourd'hui. Et après ce qu'il va dire, nous allons reprendre la parole pour donner la parole tour à tour aux leaders politiques du Front populaire qui sont devant vous. Je voulais ajouter à donner sa dénomination. Front populaire contre la révision constitutionnelle. Il y en a certainement beaucoup d'entre vous qui se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que le Front a à voir avec la loi électorale? Non, au Front, nous n'avons pas l'habitude de nous endormir. Nous faisons la politique. Et en politique, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est un peu comme quand on gouverne. Quand on veut amender la loi électorale,
réviser la loi électorale. Ça veut dire que, profitant de sa majorité au niveau de l'Assemblée, la majorité présidentielle va de manière sibylline, donc Nandenga Mayele et Mabé, pour traduire en lingala, procéder à des amendements de la loi électorale qui vont forcément influer sur la Constitution, c'est-à-dire l'amendement de la Constitution, en d'autres termes, la révision de la Constitution. Par conséquent, comme nous sommes un front contre la révision constitutionnelle, pour prévenir tout ce qui peut arriver, nous disons, toute tentative qui peut aller dans le sens de réviser la Constitution, nous devons lutter contre toutes ces tentatives-là, notamment la révision de la loi électorale. C'est pour ça que nous ne voulons pas de la révision de la loi électorale. Comme l'a dit le coordonnateur tout à l'heure, ça tombe sous le sens. On ne peut pas changer les règles du jeu pendant qu'on est déjà en train de jouer. Ça s'appelle de la tricherie. Et nous, nous sommes contre la tricherie. C'est une question morale. C'est une question de moralité élémentaire. Et nous, nous estimons que pour que notre pays aille de l'avant, nous devons commencer à lutter contre l'immoralité. Parce que la véritable crise de notre pays, c'est d'abord une crise morale. Nous devons apprendre à respecter les règles du jeu. Ce n'est pas au cours d'un match qu'on change les règles du jeu. Parce que, qu'on le veuille ou non, le match a déjà commencé. Voilà ce que je voulais ajouter pour que les gens comprennent pourquoi nous ne voulons pas de la révision de la loi électorale. Parce que nous sommes front populaire contre la révision constitutionnelle. Les gens vont se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la loi électorale? Mais justement, la révision de la loi électorale risque de provoquer la révision de la Constitution. J'ai dit et je vous remercie. La presse menace. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir. Je vais demander aux amis de la composante presse que nous commencions d'abord la première lecture de notre texte, les résumés de notre message, d'abord en français. Ça sera lu par notre frère, le président Patty Katanga, qui va lire ce texte en français. Le même texte qui sera lu en français, ça sera traduit en swahili par le président Moïse Monidela. Nous commençons par le français. Monsieur le coordonnateur, voici le message que nous allons distribuer au peuple congolais pour le message en français. Peuple congolais, trop c'est trop. Non à un troisième pénalty litigieux. Voici le message en français, le message de sensibilisation contre notamment la révision de la loi électorale. Peuple congolais, trop c'est trop. Non à un troisième pénalty litigieux. Le gouvernement va faire adopter au Parlement son projet de modification de la loi électorale pour aboutir à la révision de la Constitution. La position du Front populaire est claire. Pas question de toucher à un iota de la loi électorale. Modification de la loi électorale égale application de l'article 64 de la Constitution. Lisez et faites lire l'article 64 de la Constitution à tous les Congolais et les Congolaises. La présente session extraordinaire du Parlement est une session de haute trahison de la République.
quand les temps sont durs, eh bien, le dur s'engage. On doit savoir que quand les temps sont durs, eh bien, dans ce cas-là, les durs s'engagent. Le Front populaire, 2015, année de la résistance populaire. Les signataires, je vous remercie. Nous remercions le président secrétaire général du RCDN, parti cher au président Roger Lumbala. CDN, comme lui-même le président l'a dit, il dit non, 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 le CG a dit non, 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 je suis CG. Le président c'est Roger Lumba. Mais comme vous dites, Lewana Moïse, vous vous limitez là-bas, c'est dangereux. Ah. Il faut dire Moïse, mon idée. Ah. Moïse, c'est Congo. Ah. Ah. Moïse, Congo. Il y a Moïse et Moïse. Moïse. Merci beaucoup. Wana wa inchi wa Congo, tunachoka. Tunachoka sana. Tunachoka kweli. Tunakatala penalti ya tatu ya bongo. Lazimisha chumba ya bunge kubadilisha kanuni ya uchaguzi kusudi wapate namna ya kubadilisha kanuni kuu ya inchi ama constitution. Front populaire inasimamia mambo usipime kugusa kanuni ya uchaguzi. Usipime kugusa kanuni ya inchi ya Kongo. Kwa ile yote tunafunga fungula na tunaacha lufungula. Ukipima kugeuza kanuni ya uchaguzi, tutatumia article 64. Article 64 ya kanuni ya inchi. Session ya siku hizi ya parlement ni session ya trahison ya raia ya Congo. 2015 ni mwaka ya resistance ya raia ya Congo. Kama mambo iko nguvu, watu wa nguvu inafaa wanasimama. Wanasimama. Mesdames et messieurs de la presse, mais j'ai l'impression que la presse commence à se fatiguer pour rien. Parce qu'il y a eu les Français. Swahili. Alors maintenant, pourquoi vous ne voulez pas suivre Madame Dorcas Adikoko? Elle est présidente du Parti écologiste pour la démocratie et le développement. Alors, nous allons suivre Madame Dorcas Onchiluba. Suivez Madame... Non, ce n'est pas Mambouni. C'est Madame Dorcas Adiko. Madame la Présidente, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Madame la Présidente, vous avez la parole. Onchiluba.
Bon, je vais vous lire le message en Tuluba. Benanditunga Jakong wa mungalata. Bana betu mioye noe. Toi, béni penalty, moui sa, tu wadi shima, wa ma fi. Gouvernement, moussa koutouma, bena parlement, ba député, wa bobu, ou shin touloula, mikenji ya ditunga, ya masumula, wa se, ba mouela, chanza, wa yeya, ou shin touloula, mikenji ya constitution. Front populaire, mou bena, boalou ebou, ni moyou moua. Panangu, donc kulengi, kulengi, mukenji wa masungula, to. To. Panangu, tu di tu kanga mikenji, ya di tunga, ya ni tikuvu, tu di tu kanga mikenji ni tikuvu, tu soboka. Toa kani. Toa kani kadena tikuvu, toa soko kinsapi. Wewa mujijinga ushintulula mikenji eyi ya masungula tuenzela article 64 wa constitution chisangili chijibuda chimatu kwa c'est-à-dire session extraordinaire chisangili chijidi cha mafi chabilela mafi makola menemena wabobu kuchi mbaka jabena kong chisangili chababu Front populaire 2015, tout le monde voulait avoir résistance. Allez, résistance. Pour sa lecture en Tchiluba, Madame la Présidente, nous allons suivre. C'est le secrétaire général de MDECO, parti cher à notre frère et ami Gabriel Mokia. Comme il est empêché, ça sera lu par le secrétaire général, le docteur Oscar Ekeli. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole pour lire notre texte en lingala. Merci, monsieur le coordonnateur du Fonds populaire contre la révision constitutionnelle. Ba tata, ba mama, bandeko. Ba namboka Congo, esanga ekoti mobulu. Ba tata, ba mama, bandeko, ba namboka Congo, nalobi malamu esanga ekoti mobulu. Lokola esanga ekoti mobulu boyeba ezala mboloko ezala ngandi ekoleka nzela na yango Front populaire alobi boye ndeko na nga Oscar Lugenda alobaki awa ke Front populaire ezali bakongolais nyonso biso nyonso po bitumba yango ezali mpo na Congo yango wana tolobi boye Bana mboka Congo. Tolembi elekin de lo. Oebi balobaka pana biso soli kambo elekin de lo. Naba tata naba mama soba lembi. Est-ce que les kamana bandima yango? Yango wana tolobi boye. To boy penalty ya misato ya lokuta. Bino bala solo kwa to fandi awa bolanda ki bino nyonso. Penalty à l'imposo, attention à la guerre à l'okuta, mais ton dimaki. Yami balé, paye à l'okuta.
ton dima qui peut le coller. Mais à mes sœurs, ton dima les sous. On dima te. Y a moana gouvernement à l'ingi kotinda parlement à Bongola mobeko ya ma ponami po aswa ma koki y a ko réviser constitution. Bonjour. Songi au gouvernement. Atin dans le parlement, ma bongo la mibeko. Et vous bongate, vous voyez, ça n'est pas ni. Mogoulou. Azoua ma coquille a corrévisé la constitution. Et on a un front populaire. A télémédie de Kambouana. Kosimba mobeko ya maponami, te. Kosimba mobeko li konzi, te. Na nyoso wana. To kangi katero mwende bakanga kadena te. To kangi kadena pe to bombi fungola. Baluka. Donc to kangi pe to bombi. So to bombi na sema belo mona mo. Na nyoso wana. O meki ko modifier mo beko ya maponami. To ko salela article 64 ya constitution. Et puis, lobby, session extraordinaire, il y a parlement, ils ont dit session, il y a trahison, il y a peuple congolais. Et dans les session, il y a trahison, il y a peuple congolais. Il y a un front populaire à l'objet. 2015, il y a résistance populaire, c'est-à-dire Nabino, Nabiso. Il faut tout ça, Nini. Totalement. Tout ça, Nini. Totalement. Pour résister contre Makamo, nous sommes au Tiroloba. Awa. Nayango, Baimbo, Kabano, Badena Katia Regroupement, Bakonzi, Badena Regroupement, il y a Front Populaire. Bati Makanissi, il y a autre au Tiroloba, puis il va signer. Nautant à comment on a parlé. Lissanga Bonganga, Moïse Monidela, Gabriel Mokia, Honorable Toussaint Alonga, Pati Katanga, Oscar Lugendo, et Madame Dorcas Adikoko. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, normalement nous devons avoir aussi la lecture par le président Eva Mwakasa. Eva Mwakasa, vous le connaissez, le président de ZFPEN, l'ancien ministre des Transports qui est avec nous. Alors, il est empêché parce qu'il était au Bas-Congo en route, on l'a tellement attendu. Nous ne devons pas continuer à l'attendre parce que les journalistes doivent rentrer. Les cadres du parti aussi qui sont là doivent rentrer. Donc, nous tenons à vous dire que quand vous rentrez, prenez votre constitution et lisez l'article 64. Premier alinéa. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Et l'ingi kolobaboy, Kongole nyoso, azali lelo nandingisa, lokola mokanzali, konzi na biso elobi, tobengi yango constitution. Soki omoni motalinga dwa pouvoir na ndenge ya makasi, Kongole azali na droit ya koloba na ye, okoki kozwa yango te. Soki pe, moto alingi ko dirije mboka na ndenge ya kobuka mokanda oyo mai makomami na kati peuple congolais akoki kotelema po ya lingi ko gere yango lokola na ndenge ya loma, c'est-à-dire na ndenge ya ko na kati wana mokanda epesi biso ndingisa ya koloba na congolais. Soki tolobi lelo marche, soki tolobi lelo tokotambola, tosali mabete. Mon canot n'est pas si bien sur droit. Article 64. Il y a votre lobby boy. Bango,
ba meki ko simba mokanda o to bengi ke loi électorale pour na bango ba changer biso to godo article 64 c'est-à-dire to koloba na population ndeke to za ko sensibiliser to ko telema pona ko boya oyo bango ba lingi ko sa na mindo kite mais to ko telema na ndenge ya solo ya démocratie ya marche ya nini ya koloba non to boy ke ba sala yango na ndenge na solo bana bino ba député na biso ba baza na assemblée ya opposition baza na réunion pona mokolo yango bango ba komeka ba député na biso ba ko telema ba ko lata bilamba na bango na singa na bango ya ba député bango liboso biso sima na population pona koloba non na makamo yoso ya biso sa onika. Alors, nous sommes Congolais, nous allons là, à nous sommes Congolais, nous sommes Congolais, nous sommes Congolais, nous